C'est quoi l'alphabet aéronautique? La base de la navigation aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous allez voir qu'est-ce que c'est, à quoi il sert, son histoire très brièvement et à quoi correspondent chaque lettre et chaque chiffre. Si vous êtes pressé, les chapitrages sont disponibles. L'alphabet aéronautique est un code utilisé à l'échelle mondiale pour éviter les confusions entre les lettres et les chiffres. Par exemple, pour parler d'un vol Air France 010, on ne dira pas AFR 010, mais Alpha Foxtrot Romeo 010 ou Alpha Foxtrot Romeo 0 unité 0. L'alphabet aéronautique a été adopté en 1957 par l'OTAN, certains mots de l'ancien alphabet étant difficilement prononçables pour les non-anglophones. Beaucoup de linguistes ont travaillé dessus afin qu'il soit adapté à tout le monde. Il est aujourd'hui utilisé dans le secteur aéronautique, mais aussi dans la police, dans la gendarmerie et même dans les sapeurs-pompiers. Maintenant, je vous laisse avec toutes les lettres qui correspondent à cet alphabet. À tout de suite. Pour ce qui s'agit des chiffres, c'est à peu près pareil que dans la vie normale, à part le fait que pour dire 1, on dit unité, pour dire 9, on dit niner, et pour marquer une virgule, on dit décimale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.